Le président Macron a évoqué le risque que l'Europe soit prise dans des crises qui ne sont pas les siennes et a déclaré que cela empêcherait l'Europe de construire son autonomie stratégique. Des responsables du régime chinois soutiennent ce concept et y ont fait référence lors de leur rencontre avec d'autres responsables européens. Macron s'est rendu en Chine avec une délégation commerciale de 50 personnes pour signer des accords, notamment avec Airbus et le producteur d'énergie nucléaire EDF. Le président français estime que les Européens doivent se demander s'il est dans leur intérêt d'accélérer une crise avec Taïwan et que les Européens ne doivent pas s'inspirer de l'agenda américain.